Depuis 2013, l'année de sa création, l'association Bilablex s'est efforcée de rendre la culture accessible au public, quel qu'il soit, prioritairement en milieu rural. Aussi, en dépit des difficultés inhérentes à un problème de trésorerie récurrent, l'association mobilise chaque année ses forces vives pour se positionner en fer de lance de l'offre culturelle en Albret. Après, entre autres, William Black et le Bégard Opera en 2014, Daumier et ses contemporains en 2017, Paul Madonna en 2018 et Christian de Cambière en 2019, nous proposons en quelque sorte un retour aux sources de l'art avec cette exposition intitulée « Art premier, balade des mondes ». Longtemps considérés en Occident comme des curiosités exotiques, des arts des sociétés traditionnelles extra-européennes, sculptures, masques, peintures, objets de parure, etc., étaient dits primitifs, comme l'étaient les peuples qui les avaient produits, parce que leur culture était fondée sur la tradition orale et par leur organisation n'était pas perçue comme évoluée par le regard occidental. Néanmoins, les arts de ces peuples, qu'on appelle désormais premiers, car ils sont l'expression des cultures de l'humanité, renvoient à des normes esthétiques spécifiques. Comme dans toute société, ils ont aussi réagi par un nombre variable de codes que l'anthropologie s'efforce de mettre en évidence. Ainsi, en Afrique noire, la sculpture, surtout en bois, mais aussi en terre cuite, en pierre, en métal, est le langage artistique privilégié. Les styles alternent entre expressionnisme et réalisme. Dans la plupart des cas, l'objet d'art participe d'une hiérarchie religieuse et politique. Intermédiaire entre la réalité humaine et le monde invisible, il traduit le pouvoir des forces vitales. Pour sa part, l'art océanien est en relation étroite avec l'animisme et fait référence à des mythologies complexes qui sont de nos jours en partie perdues. L'art le plus simple est celui des aborigènes d'Australie qui ne travaillent qu'en deux dimensions, peinture rupestre et peintre sur écorce. Celui des Malaisiens, notamment en Nouvelle-Calédonie, est le plus impressionnant par son aspect macabre lié au culte des ancêtres. Le plus élaboré est celui des Maoris de la Nouvelle-Zélande, qui sculptent d'infinis entrelacs ornés de spirales et de volutes. D'une façon générale, l'art océanien dégage une impression de mystère qui a manqué le primitisme de l'art occidental de Gauguin au surréalisme. Pour Anne Daleva, historienne de l'art et professeure à l'Université du Connecticut, l'étude de l'art océanien ne peut se limiter à une analyse esthétique, art, pouvoir, temporel et spirituel, intimement liés, se résume dans le concept du mana comme dans toutes les zones du Pacifique. Le mana, c'est cette force active associée aux ancêtres et des sens divines indispensables à toute activité humaine et qui imprègne être et chose. L'objet d'art est aussi un vecteur de force à laquelle participe le choix des matériaux et l'iconographie. Dès lors qu'il s'agisse d'architecture, de tissage, de tatouage ou de sculpture, toute œuvre obéit à une fonction sociale et religieuse. En 1992, Jacques Chirac rencontre à l'île Maurice le marchand et expert primitif Jacques Kerchache. Dès lors, le destin de plusieurs grands musées nationaux allait être bouleversé et le succès du musée Quai Branly témoigne de l'engouement du public pour cet art, un art pour lequel le terme de chef-d'œuvre s'applique désormais aux sculptures d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et d'Amérique. Pourquoi cette fascination? Dans son anthologie des arts premiers, Jean-Jacques Breton, docteur en lettres, donne cette explication. Les arts premiers nous fascinent autant qu'elles nous intriguent. Du fond des âges,
Il force le respect, provoquant l'admiration, nous ramène aux racines des civilisations et de la terre. Nous trouble et nous saisissent par l'émotion et l'émerveillement. Dépositaire de sagesse ancestrale, magique et surréaliste, les arts premiers exercent aujourd'hui leur pouvoir sur le monde extérieur. Pour Emmanuel Perret, avocat passionné, auteur de « Comprendre l'art africain », l'art africain, qualifié tout à tour de primitif, tribal ou premier, intrigue et captive. Quant à Christelle Falguérette-Lévaux, ex-directrice du musée d'Herper, dans son ouvrage « Afrique secrète », elle s'interroge. Que protègent ces figures de reliquaires façonnées dans le bois ou dans le métal? Pourquoi seuls quelques initiés peuvent-ils comprendre le langage des masques? De son côté, Jérôme Benbenet, professeur d'histoire et historien des peuples, auteur du livre « Les peuples premiers », des mémoires en danger questionne. Un peuple peut-il s'éteindre comme une espèce végétale ou animale? Les peuples autochtones furent souvent les victimes de la rencontre de la civilisation occidentale. Sioux, Yanomis, Maasai, Aborigènes, ceux qui ont survécu protègent aujourd'hui tant bien que mal leur culture dans un monde hostile. Victimes de la dégradation de leur cadre de vie, or les peuples premiers sont les dépositaires de nos traditions ancestrales. Avec leur disparition, c'est une part de l'héritage collectif de l'humanité qui s'efface à jamais. Comment ces peuples luttent-ils pour retarder l'inéluctable? Comment doit-on intervenir la communauté internationale? Voici quelques questions auxquelles l'auteur répond pour une prise de conscience de chacun. C'est bien ces questions terriblement en phase avec notre actualité qui nous appartient effectivement de répondre, tant individuellement que collectivement. En serons-nous capables? C'est le défi que nous devons nous relever. Pour terminer, nous vous souhaitons ouvrir cette exposition à Tixador, artiste dont nous découvrons les œuvres au cours de votre déambulation. Aujourd'hui, originaire de Catalogne, elle a passé toute son enfance en Afrique, au Congo. Peintre-sculpteur, elle dévoile dans ses peintures la poussière des pistes qui furent ses terrains de jeu et nous ramène aux origines, à la terre, matière et mère de toutes choses. Je vous remercie à tous et je laisse la parole à notre maire Nicolas Lacombe. Bonsoir à tous, bienvenue à l'ex-sous-préfecture de Nérac que le département a le plaisir de mettre à disposition d'André Furlan pour la seconde fois. La première fois, c'était en 2017 pour l'exposition Daumier. Le département était assez réticent à l'idée d'ouvrir la sous-préfecture pour une exposition. Je les ai convaincus en leur disant, si André Furlan la veut, il l'aura au bout du bout. Donc autant dire oui tout de suite, ça ira plus vite pour tout le monde. Et en plus, ça sera réussi, je me porte garant de la réussite de l'expo. Et ça avait été le cas en 2017, une très belle exposition déjà. Aujourd'hui, deuxième fois qu'une exposition se tient ici, une magnifique exposition de plus de 250 pièces, magnifiquement mise en valeur. Donc je souhaite à cette expo le même succès que la précédente. C'est une très très belle exposition qui rayonnera sur l'Albret et même au-delà. Alors tu as évoqué le cas du musée Jacques Chirac au Quai Branly, qui est évidemment la référence. Alors il y a le Quai Branly à Paris, à Nérac, il y a la sous-préfecture André Furlan. Et donc je souhaite à cette expo tout le succès qu'elle mérite, parce qu'elle le mérite vraiment. Donc bravo à toi et à ton équipe, parce que je sais que tu as aussi derrière toi beaucoup de bénévoles qui t'aident. Et le résultat est là, donc bon vent et bel été à la sous-préfecture de Nérac. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Vous remarquerez que j'ai cité les femmes en premier. J'y tiens absolument d'ailleurs. C'est fait à l'africaine, c'est un brouillon. Donc je vais faire court parce que M. Furlan a tout dit et bien dit. Voilà. Je n'ai rien à ajouter si ce n'est que de parler un petit peu de moi, mais très peu. Voilà, je remercie tout le monde d'être là, déjà c'est pas mal.
Et puis, je vais vous parler un petit peu de mon travail. Ceci dit, je n'aime pas trop raconter mon travail, effectivement, parce que ça représente mes états d'âme. Et mes états d'âme, si vous voulez, quand j'en parle, c'est comme si je passais à l'échafaud. Donc j'ai passé toute mon enfance et adolescence au Congo, comme l'a bien dit M. Furlan, mais très tôt, je me suis intéressée à l'art. À l'art, pourquoi ? Parce que j'ai vécu en brousse avec mon papa qui était enseignant. Donc il n'y avait pas beaucoup de distractions et j'ai grandi au milieu des terres rouges de l'Afrique et j'ai commencé à faire des sculptures avec de la terre. Quand il y avait des orages, la terre était très molle et dès qu'il faisait chaud, ça devenait dur, extrêmement dur. En plus, mon père, pour s'occuper, en dehors des cours qu'il donnait, faisait de la sculpture en métal. Il commandait donc en France, ça rentrait par bateau, des grandes tôles qui mettaient plus d'un mois pour arriver au Congo, Pointe Noire, au port. Et quand elles arrivaient, elles étaient extrêmement rouillées. Donc ces tôles, je les ai toujours vues pendant mon enfance et mon adolescence contre le mur de l'atelier de mon père. Et je me maquillais avec, je me frottais avec la main, je m'en mettais partout. Et je peux vous dire que ça a une odeur, une très bonne odeur. Et c'est cette odeur, si vous voulez, qui m'a influencée dans mon art. Voilà. Et puis, je peux vous dire quelque chose quand même qui est intéressant, parce que la sculpture en métal, c'est une sculpture en 3D. C'est très difficile. Étant donné que j'étais jeune, je n'ai pas pu travailler le métal. J'ai travaillé avec de la toile de jute, de la toile à café et du chanvre. Et j'ai réussi pendant des années à me perfectionner dans cet art. Vous avez l'exemple à mon exposition, vous avez un buste de femme qui est tout en toile de café. Et par-dessus, il y a de la pierre fossilisée qui ressemble exactement au bronze. Et beaucoup de gens pensent qu'elles sont en bronze. Ça a été un travail de longue haleine. Voilà, j'y suis arrivée quand même. Voilà. Je travaille toute seule dans mon atelier. Je suis toujours à la recherche des pigments parce que je n'utilise pas de peinture. Je fais tout avec des pigments, puisqu'en Afrique, on n'avait que ça. Il n'y avait pas de tube de peinture. Donc j'ai grandi avec cette technique. Et je suis seule à travailler avec mes problèmes, parce que dans un atelier, on a beaucoup de problèmes. Et je peux vous dire que je suis une artiste libre, mais je le paie cher. Voilà. Je vous remercie tous. Ça fait un an que je connais l'association William Black et à chaque fois je suis émerveillé par les conférences d'André Furlan. Là ici, une exposition sur les arts premiers, c'est un autre monde, ça nous oblige à nous intérioriser pour retrouver un langage qui a été traduit par des sculptures et des peintures merveilleuses. Sur les arts premiers, ce que je pourrais dire, c'est que c'est une chose qui n'est plus de notre quotidien et on essaye du moins de retrouver ces origines que l'on a oubliées. Il est évident qu'on ne peut pas retrouver tout ce langage qui nous a été transmis depuis des générations, mais on peut s'en imprégner et ça c'est vraiment très agréable et lorsqu'on sort de là, on met du temps pour revenir sur Terre dans notre monde actuel.
Ah bah, l'association William Blake, c'est une association qu'on rencontre tous les ans depuis quelques années ici en Albret et qui organise à chaque fois des expositions merveilleuses et toutes différentes. Donc vraiment une association extrêmement dynamique et vivante qui anime le territoire et ça nous fait très plaisir. Alors par rapport à cette exposition, donc, je viens juste de la découvrir, et bah, comme tous les ans, elle est assez remarquable. Là, je viens de faire le tour. Il y a des pièces qui viennent de pratiquement tous les pays qu'on puisse imaginer par rapport aux arts premiers. Et voilà, je pense vraiment qu'elle va avoir le même succès que les années précédentes. L'art premier, c'est pas forcément un art qu'on a l'habitude de rencontrer ici. On a bien d'autres pièces qui sont plus sur l'histoire française et sur l'histoire d'Henri IV en particulier. Donc pour nous, ça représente, on va dire, l'arrivée, on va dire, d'une exposition d'une exposition culturelle, on va dire, assez novatrice pour chez nous, quoi. Ça fait venir ici à la campagne une offre culturelle, voilà, qui peut être très innovante. On a l'habitude effectivement de la voir plutôt dans les grandes villes comme à Paris, et là elle arrive jusqu'à chez nous et ça, voilà, ça vient enrichir et renouveler l'offre sur notre territoire, et ça c'est très intéressant, quoi. Alors bah, l'office de tourisme intervient surtout pour relayer et communiquer sur l'existence de cette exposition, donc que ce soit sur notre site internet, sur tous nos supports qu'on puisse imaginer. Voilà, et avec d'autant plus de plaisir que ayant vu par nous-mêmes, je dirais, la qualité de l'exposition, c'est encore plus facile pour nous d'en parler et d'apporter de la fréquentation ici, quoi. Ça le mérite, l'exposition le mérite, mais le lieu aussi. C'est quand même un lieu assez remarquable avec la sous-préfecture qui est en général qui est fermée, que peu de personnes connaissent. Donc voilà, j'invite tous ceux qui pourront voir cette vidéo à venir voir l'exposition et les lieux, ça vaut le coup pour les deux. Cette exposition est très intéressante du fait que l'art premier aujourd'hui est un art que l'on met en avant parce que un peu de manière péjorative, on l'a pris pour un sous-art au début de ses découvertes, et en fin de compte, on se rend compte que toute notre culture découle de ces arts premiers, en fin de compte. Et tous nos artistes contemporains aujourd'hui ont eu comme inspiration les arts premiers. Mais ça a été le berceau de l'humanité, donc c'est intéressant pour ça, c'est qu'il ne faut pas l'oublier. Cette année, j'ai contribué à mettre en place l'exposition avec André et la mise en place des œuvres pour le bien de l'exposition et pour mettre en avant les œuvres du mieux que l'on pouvait. C'est selon les œuvres, selon la corrélation entre elles qui fait que petit à petit, on construit une exposition pièce après pièce pour qu'elles se mettent en valeur les unes envers les autres. Ça fait partie de mon métier dans l'ébénisterie de connaître les bois et les matières comme les métaux, comme les tissus, les verres et ainsi de suite. Ce qui est mis en avant, c'est l'image que ça représente et la spiritualité que ça représente. Donc c'est jamais la matière qui est vraiment importante. C'est surtout ce qu'elle va représenter. Ça a découlé après, par inspiration de ces civilisations-là. On a mis en avant après les matières plus, surtout sur les objets de plus en plus de qualité. Voilà, alors... Il y a l'art populaire où on a employé des matières moins nobles, et plus l'art est sophistiqué, plus on emploie des matières nobles, on va dire. Je suis perlière d'art, je coule et souffle le verre, et je suis l'association William Blake depuis plusieurs années. J'aime beaucoup le travail de l'association, j'aime beaucoup l'art,
et je trouve cette exposition magnifique. C'est le départ de tout, hein. Tout est relié, l'inspiration on la trouve dans tout. Et puis c'est lié au temps avec les bijoux, il y a des perles, il y a des masques, il y a des sculptures. L'art premier, je dirais que c'est l'essentiel. On va à l'essentiel et on transmet des informations, mais d'une manière assez subtile et aussi par rapport aux formes. C'était vraiment les premières créations avec des symboles. Il y a beaucoup de symboles. Il y avait un côté très spirituel aussi. Ça fait partie de mes sources parce que vous avez du bois, donc vous avez des sculptures en bois, vous avez des perles, les premières perles, vous avez également des pierres. Ça ramène à tous les règnes, minérales, végétales, animales. Et l'inspiration est partout et de toute époque. On revient, je dirais même que l'inspiration est un éternel recommencement puisque de toute façon, on puise ses inspirations dans tout et le grand tout. C'est viscéral et c'est également authentique, c'est vrai. On ne triche pas, ou on ressent les choses ou on ne les ressent pas, mais on ne peut pas ne pas être insensible. André Furlan est un passionné d'art et je pense que de toute façon, il a envie de transmettre, dans toutes ses expositions, il a envie de transmettre sa passion. Et effectivement, les gens aiment ça. Voilà, tout le monde a quelque chose et ça va être des collectionneurs, des collections privées, ça va être des collectionneurs, ça va être des musées. Voilà, chacun, je pense, amène quelque chose et c'est comme ça dans la vie. Et je souhaite beaucoup de succès à cette exposition, mais ça, j'en suis sûre, parce qu'elle est vraiment très belle et il y a de très beaux messages pour chacun. Oui, je disais que le travail aujourd'hui, ce qui m'a plu chez André, c'est d'amener la culture dans le milieu rural. Il y a peu de monde aujourd'hui qui ont eu le courage de faire cette démarche-là. Et ça nous a énormément touchés. Et c'est pour ça qu'on l'aide au niveau des caves de Buzet. Alors le rapport entre l'art africain, l'art premier et le vin, j'ai beaucoup de mal à faire cette similitude-là. Mais ce qui est important, c'est que les gens ils prennent de la jouissance à déguster nos vins, autant qu'à regarder l'art à se promener, à déambuler dans les salles de la sous-préfecture. Cette exposition est particulièrement émouvante pour moi, j'ai vécu en Afrique. Et ce n'est pas une œuvre comme une peinture ou une sculpture, c'est vraiment chaque objet est l'expression de la vie d'une personne, d'un groupe de personnes, et je dirais même encore plus de tous les ancêtres qui vont avec. C'est-à-dire que en regardant un masque baoulé, par exemple, que j'ai eu l'occasion de voir sur le terrain, ben, je vois les gens qui avaient le masque, je vois la famille, mais je vois aussi tous les ancêtres et tous les morts avec qui j'ai été mis en lien grâce à ce masque-là. Et je trouve que c'est vraiment merveilleux
et que pour cette raison-là, je trouve chaque œuvre hyper émouvante. Alors j'étais en Côte d'Ivoire et maintenant j'ai une case au peuple Bamoun au Cameroun. La dernière aventure en 2006 au Cameroun, je me suis retrouvé avec un ami qui habitait à Agen, un Camerounais, aîné d'une famille hospitalisée d'urgence à Bordeaux. Il m'a désigné comme chef de famille pendant un mois et je me suis retrouvé à circuler dans le royaume Bamoun pour régler les histoires de divorce, de terre, de famille, en lien avec le chef de village. Et chaque soir, je lui téléphonais pour savoir qu'est-ce qu'il fallait répondre à chaque question posée. Et un vieux du village est venu me voir en cachette et m'a dit « Oui, je vois que tu appelles Mamouda tous les soirs. S'il t'a désigné, c'est qu'il a confiance en toi. Donc ne l'appelle plus. Tout ce que tu diras, nous l'exécuterons. » Ça, voilà, c'est une expérience formidable de l'Afrique. Dans cette exposition, je trouve quelque chose de cette expérience vécue, parce que à chaque fois que des questions étaient posées, il était fait référence aux anciens, il était fait référence aux ancêtres. La terre, par exemple, ce n'était pas un acte notarié, c'était lié à des règles, liées au roi local, à ce qu'il avait décidé à tel moment, et il y avait des rites à respecter. Et c'est vrai que je vois un rapport entre ce que j'ai vécu et toujours derrière chacun des masques Bamoun que j'ai vus ou Baoulé, je vois une expérience vécue. Encore une fois, André Furlan a fait quelque chose de magnifique, ce qui fait que le peu que j'ai pu observer, ça va impliquer que je revienne encore demain et après-demain, avant mon départ, pour examiner le sens de son expédition. Parce que c'est un muséographe de talent que j'avais repéré il y a 3 ou 4 ans, stupéfait d'apprendre qu'à Lavardac, des œuvres de Monet, de Manessier, dont plus personne ne parle aujourd'hui, de Picasso, et l'agencement de cette expo à Lavardac, qui était somptueuse. Et d'emblée, j'avais compris, lui qui était derrière mon dos, je m'adressais à des dames de son association, mais le monsieur qui a fait cette muséographie, il a dû en faire des cauchemars pendant des semaines et des semaines durant, et il était derrière, m'écoutant, et nous sommes compris depuis. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et de toute façon, demain, je reviens inspecter cette expo. Merci beaucoup. Thank you.